parle-moi de ça. Voilà, si vous connaissez l'histoire de l'Arabie avant l'islam, vous allez comprendre que ce serait trop bête ou aberrant qu'un arabe sorte du droit chemin. C'est-à-dire, lui, il vient dire à ses frères arabes, écoutez, la femme la plus grande sur la terre, la plus pure, la meilleure des femmes, c'est Marie. Il dit ça à ses frères arabes pour gagner quoi? De l'argent, on l'a chicoté, on l'a chassé. Et avant qu'il ait dit ça, il était l'homme le plus riche, parce qu'il a marié une riche commerçante. Quand il rentre dans l'histoire, Mohammed est d'une grande famille, donc ils étaient très riches. Donc, mais quand il commence à dire à son peuple que la meilleure des femmes de tout le monde, c'est Marie, une juive, ah ben là c'est grave. Les gens disent à son père, à son oncle, ben écoute, ton gars là, ton petit là, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il commence à nous chercher? Parce que c'était des barbares, les Arabes c'était des barbares. Ils couchaient avec leurs filles, ils enterraient leurs filles vivantes, ils couchaient avec leurs belles-mères, ils couchaient avec tout. C'était des sauvages, ils vivaient en tribu, des sauvages. Mais ils avaient quelque chose de fondamental, c'était le poète. Ils avaient quelque chose qu'on appelait le poète. Et le poète était quelqu'un avant de très grand dans la société. C'est-à-dire chaque tribu avait son poète. Donc quand il y avait une situation, c'est seulement le poète qui avait droit à la parole. C'est pour cela que tu vas voir en l'occurrence que Mohammed, les gens au début l'ont pris pour un poète. Après, ils se sont rendus compte que, mais attends, ce gars-là, ce n'est pas un poète parce qu'il ne parle pas avec le désir. Mais mon frère, je disais ceci. Ce n'est pas de la poésie. Je disais ceci. Mohammed, si... Citer le nom de Marie, citer le nom de Jésus, ça ne signifie rien. Il pouvait dire ça pour flatter les gens. Il dit, mais c'est ça, j'ai dit, quand on pose, allez-y. Il disait ça pour flatter les gens. Tu sais mais que... pour flatter qui? Parce qu'il ne dit pas ça aux Juifs, il ne dit pas ça aux chrétiens, il dit ça à ses frères arabes. Non, il a dit ça. Il a dit ça. Oui, il y avait des Juifs. Il y avait des Juifs là où Mohammed était. Non. Oui, il y avait non, l'histoire, c'est que vous connaissez pas l'histoire de l'islam. Mon frère, l'islam commence dans la cachette. Mon frère, est-ce que tu sais que là où Mohammed était, il y avait aussi des juifs? C'est ce que je dis. Là où Mohammed était, j'avais des juifs. Il y avait combien de juifs en Arabie en ces temps-là? Parce qu'on parle d'une époque où l'islam même commence dans la clandestinité. Est-ce que vous comprenez? Oui, mon frère. Si vous connaissez l'histoire de l'islam, mon frère. C'est-à-dire que lorsque il quitte. Oui, allez-y. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Mohammed disait, il pouvait dire ça. Il pouvait parler de Jésus, il pouvait parler de Marie pour flatter les juifs et les chrétiens qui se trouvaient en Arabie Saoudite. Il pouvait flatter. Mais les Arabes n'étaient pas des chrétiens et des juifs. Non. Les Arabes n'étaient animistes. Écoutez. Ils avaient plus de 300 et quelques idoles. Écoute-moi. Oui, vous ne connaissez pas. Oui, allez-y. Tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. Lorsque Mohammed parlait, il y avait les Juifs, les Arabes qui l'écoutaient. Il y avait aussi des chrétiens et des Juifs qui l'écoutaient. Maintenant, pour flatter... Ça, c'est après. Là, je connais ça. Non, calme-toi. Il pouvait flatter les Juifs et les chrétiens en leur disant que nous avons les mêmes Dieux. Oui. Il pouvait dire... Allons-y. Il pouvait dire, nous avons les mêmes dieux. Votre Dieu, notre Dieu, c'est le même. D'ailleurs, je parle de Jésus, je parle de Marie. Il pouvait flatter. Et c'est ce qu'il a fait. C'était un flatteur. Dans quel but? Flatter. On flatte pour quoi? On flatte pour gagner les gens. Oui, pour gagner quoi? Gagner. Les gens à l'islam. Oui, pour gagner. Oui. Pour que beaucoup de gens puissent le suivre. Tu sais que Mohammed, lorsqu'il est venu... Écoute mon frère, Mohammed, lorsqu'il est venu, il cherchait les croyants. Il est parti chez les Arabes, il les a prêchés, il a gagné quelques croyants. Il est parti chez les chrétiens, il les a flattés. Il est parti chez les juifs, il les a flattés. Il voulait gagner beaucoup de gens. Tu sais, il y avait des chrétiens qu'on appelle les chrétiens de Najran. Tu connais ces gens-là? Les chrétiens de Najran, ils étaient au Yémen. Ces gens-là sont venus voir Mohammed. C'était des chrétiens.
Des moines, des chrétiens. Oui, ça, je connais cette histoire. Laissez-moi vous expliquer cette histoire. Vous ne connaissez pas bien. Mohamed voulait flatter tout le monde. Non, laissez-moi vous expliquer. Vous ne connaissez pas bien. Ce n'est pas comme ça que ça commence. Parce que Mohamed ne parlait pas autre langue si ce n'est pas l'arabe. Donc, il ne parlait qu'en arabe. D'accord? Le problème qui se passe, c'est que les gens ont entendu qu'en arabe, en Arabie, il y a un monsieur qui dit qu'il est prophète de Dieu. OK? Donc, alors, on va lui demander sur quoi il se base pour dire qu'il est prophète ou bien quel est son miracle. Voilà comment les gens sont venus lui poser des questions. Tu vas trouver l'histoire là dans Tabari. Ça, c'est les historiens qui nous ont fait un exercice de ça. Tabari, vous allez trouver cette histoire dans Tabari. On lui a posé 28 questions pour pouvoir, c'était les juifs et les chrétiens, pour pouvoir savoir si c'était un véritable messager de Dieu. Vous savez que dans la Bible, c'était dit, on te dit comment reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète. C'est tout. Donc, comme on nous dit ça, allons donc demander à cet arabe-là, allons voir si c'est un vrai prophète de Dieu ou bien si c'est un faux prophète de Dieu. C'est ce qui a fait que les gens sont venus lui poser des questions en arabie. Et il a répondu. Tu vois, on lui a d'abord demandé quelle est ta conception de Dieu. Ça, c'était la toute première question. Ton Dieu dont tu nous parles, qui il est? Est-ce que tu comprends? Yeah. Et la phrase qu'il va faire sortir, il dit, je ne peux pas vous dire qui est Dieu, parce qu'il n'est pas comparable à une chose, ni à un être humain. Et l'ange lui révèle maintenant, dit, celui dont on est en train de parler, là, il s'appelle Allah. Il est unique. Voilà comment la sourate 112 apparaît. Quand vous regardez dans l'histoire, dans Tabari, vous allez voir la descente de versets, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les versets sont dedans. Parce que dans le Coran, il n'y a pas tout ça là. Dans le Coran, on n'explique pas pourquoi est-ce que cet événement est arrivé, pourquoi... Non. Dans le Coran, c'est directement les versets. Et les explications, vous les trouvez ça dans d'autres livres. Donc voilà comment la sourate 112 vient pour expliquer qui est Dieu. Donc il vient mettre une lumière sur la croyance de Mohammed. Et plus tard, Mohammed nous dit, son Allah, c'est le lui-même qui avait envoyé Jésus-Christ, c'est le même qui avait envoyé Moïse, c'est le même qui avait envoyé Abraham, c'est le même qui avait envoyé tous les prophètes qui sont cités dans la Bible même. Est-ce que tu comprends? Donc voilà comment ça s'est passé. Donc qu'est-ce que lui, il a à gagner? C'est ce que je dis, qu'est-ce qu'un arabe a à gagner en disant à ses frères arabes, parce qu'il parle en arabe, c'est à ses frères arabes qu'il parle. Parce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, il a envoyé un prophète en lui donnant un Coran en arabe pour commencer à parler aux arabes d'abord. Et plus tard aux autres. Donc, je dis à tout chrétien, faites attention. Il y a des choses dans le Coran, quand vous lisez, vous comprenez qu'en réalité, Mohammed n'est pas l'antéchrist. Parce que Jésus-Christ nous a dit qu'il avait beaucoup de choses à nous dire. Mais quand le Consolateur surviendra, l'Esprit de vérité, il le glorifiera et il enseignera le monde. Moi, quand je raisonne, je sais que le consolateur, le réel consolateur du Christ, c'est Mahomet. Et attends. C'est lui qui vient justifier. Calme. Tu dis, lorsque toi tu raisonnes, pour toi, le consolateur, c'est Mahomet. Oui, selon la Bible. Non. Tu as dit. La Bible. Non, tu as dit quand tu raisonnes. C'est d'après ton raisonnement. Oui, quand je raisonne dans la Bible. Non. Mais je t'ai dit qu'il faut raisonner. La foi, c'est pour toi. Hé, mon frère. Il ne faut pas dire quand tu raisonnes. Qui t'a dit que moi, c'est lui le consolateur? Qui t'a dit ça? Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui. Où est-ce qu'il a dit? Maintenant, tu me dis comment? Non. Merci. Il a dit... Et attends, mon frère. Laisse-moi d'abord te corriger. Puis tu as dit beaucoup de... Il faut corriger. Tu sais, là, nous sommes dans la sourate 3. Sourate 3, verset 61. Le Coran dit... Ça, c'est, ça, c'est à propos des chrétiens de Najran qui avaient quitté Najran au Yémen, au sud. Ils sont partis voir Mohamed, lui poser des questions. Ils ont posé des questions. Puis Mohamed a parlé de Marie. Il a parlé de Jésus. Il a parlé beaucoup de... Puisqu'il voulait flatter. Il parlait en arabe. Il y avait des chrétiens qui habitaient l'Arabie saoudite. Même la ville là de Médine, Madina, c'était une ville de juifs. On appelait ça Yathrib.
C'était un juif qui habitait là. Maintenant, Muhammad, pour flatter tous ces gens-là, il pouvait leur parler de Moïse, d'Abraham, de Jésus et puis de Marie. Maintenant, les chrétiens de Najran, ils sont partis. Les chrétiens, les habitants de Najran, c'était des chrétiens. Ils sont partis voir Muhammad pour lui poser des questions. Maintenant, Muhammad ne pouvait pas répondre à leurs questions. Sourate 361 parle de ce verset. Il dit ceci. À ceux qui te contredisent à son propos, à son propos, comme dit le Coran, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, notre propre personne et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Muhammad a dit à ces gens-là, puisqu'ils sont venus poser des questions à Muhammad. Muhammad était incapable. J'ai compris. Non, attendez. Non. Muhammad était incapable. Muhammad... Tu connais ce verset-là. Tu ne connais pas ce que je vais dire. Muhammad n'était pas capable de répondre à leurs questions. Muhammad a dit, appelez vos enfants et vos femmes. Comme ça, on va appeler la malédiction, que la malédiction de Dieu puisse descendre sur celui qui est mort. Or, ces gens-là n'avaient pas d'enfants, c'était des moines, c'était des prêtres, ils n'avaient pas d'enfants. Maintenant, Muhammad dit, appelez vos femmes et puis vos enfants. Ces gens-là n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas de femmes, ils n'avaient pas d'enfants. Maintenant, Muhammad dit, appelez vos enfants et vos femmes, comme ça, on va appeler la malédiction. Ça, c'est quelle manière de répondre? Ils ont posé des questions à Muhammad. Non, vous n'avez pas compris. Muhammad ne pouvait pas répondre. Allô. Oui. Allô. Oui. Voilà, vous avez cité un verset. Et j'ai dit déjà, l'avantage du Coran, il ne fait pas les commentaires, il ne dit pas les situations, tout ça. Vous allez voir les situations dans un autre livre. Si vous rentrez dans le tafsir de ce verset-là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Muhammad a dit d'envoyer les femmes, envoyez vos enfants, envoyez vous-même et j'irons. Pourquoi? Le verset même, tu l'as lu, la réponse est dedans. Dieu dit qu'il a informé Muhammad sur l'histoire de Marie et de Jésus. Parce que Muhammad n'était pas là. Au moment où Jésus, entre Jésus et Mahomet, il y a plus de 500 et quelques années. Donc, ils ne sont pas contemporains. Comment peux-tu histoire si Dieu ne le révèle pas? Dans la même sourate 3 que tu prends, Dieu lui dit, écoute, lis, sont de l'inconnaissable parce que tu n'étais même pas là lorsque les gens se discutaient la garde de Marie. Toi-même, tu n'étais pas encore là. Donc, ce sont des nouvelles que moi, Dieu, je t'annonce. Maintenant que tu es informé, toi, de cette histoire-là et que tu expliques aux gens et qu'ils ne veulent pas comprendre, dis-leur de venir avec leurs enfants, leurs femmes et eux-mêmes et de jurer. Si Mahomet pense qu'il est dans le mensonge, comment va-t-il dire ça? Moi, j'ai mon Dieu auquel je crois. D'accord? Et toi, tu dis que c'est faux. Je dis, mais attends, moi, je t'ai expliqué l'histoire de Marie. Je t'ai expliqué la sourate à Imran. C'est dans la sourate 3, là. Sourate 3, Imran raconte l'histoire du grand-parent de Jésus-Christ. Il te dit que c'est là que tout le miracle commence. Cette femme-là, étant enceinte, a voulu que son enfant soit un garçon. Et quand Dieu lui a donné une femme, elle a dit, Seigneur Dieu, voilà que j'ai accouché d'une fille. Mais ce n'est pas grave, entre elle, Satan, elle et sa descendance. Et Dieu nous dit, Mohamed nous dit que Dieu a exaucé la prière de cette dame là, et il a fait croître la petite fille d'une belle croissance. Et lorsqu'elle arrivait à un certain âge, elle allait confier la garde au vieux Zacharie. Mais la garde, quand elle va pour chercher un parrain, les gens se disputent. Les gens disent, non, je veux la fille. Ils ont même lancé des thèses. C'est pour ça que Dieu dit, Mohamed, tu n'étais pas là. Lorsque les gens se disputaient pour la garde de Marie, et après, plus tard, le vieux se rend compte qu'à chaque fois quand il rentre auprès de cette belle fille-là, il va trouver de la nourriture. Donc, Mohamed nous informe que c'est les anges qui nourrissaient Marie. C'est écrit dans quel livre que les anges nourrissaient Marie? Avant Mohamed, aucun homme n'avait dit sur la terre que Marie était la meilleure femme de tout le monde et que c'est les anges qui la nourrissaient. Il nous dit encore, écoute, rappelle-toi, lorsque les anges disent, oh Marie, Dieu t'annonce sa parole. Il est en train de nous dire que, normalement, Jésus-Christ n'est pas un juif. Il n'a pas de père juif. C'est Dieu lui-même qui l'a donné à Marie.
Parce que sa grand-mère avait fait un vœu, et Dieu a exaucé ce vœu par Marie, et ensuite, le vœu a continué à être exaucé par Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur lui. Et personne n'a enseigné Jésus, d'après Mahomet, et que c'est Dieu qui l'a enseigné. Et qu'il a parlé dans son berceau, depuis l'âge petit jusqu'à l'âge mûr. Est-ce que tu comprends? Donc, explication que Mahomet a donnée aux hommes. Mon frère. Laisse-moi finir. Quand Mahomet finit de donner ça aux gens, les gens ne veulent pas croire. Donc, Mahomet, Dieu dit à Mahomet, bon, s'ils ne veulent pas croire, dis-leur, comme ils ont confiance à ce qu'ils disent, ils n'ont qu'à envoyer leur enfant, ou leur femme, ou bien eux-mêmes, et on n'a qu'à jurer. Voilà le contexte. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce verset n'a pas de sens. Comment ça n'a pas de sens? Il dit, venez, appelons vos enfants et vos femmes. Avant de dire d'appeler, qu'est-ce qu'il a dit? Mais ces gens n'ont pas de femmes. Ils n'ont pas de femmes. Ils n'ont pas d'enfants. Est-ce que c'est dit dans le verset que ces gens n'ont pas de femmes? Mais, ils n'ont pas d'enfants. Là, c'est dans les tafsirs. Lorsqu'on parle dans les tafsirs de Qurtubi, Imam Qurtubi. Tu as vu? Attendez. C'est ça qui fatigue beaucoup de musulmans. Moi-même, quand je suis dans un groupe musulman, on me chasse. Je dis, mais pourquoi vous me chassez? Ils vont me dire, donc c'est écrit dans Bukhari ou c'est écrit dans Muslim. Je dis, mais Muslim n'a pas connu les prophètes, ni Bukhari. C'est 200 ans après, c'est de lui dire. Mais, ils ont entendu dire que, que Dieu a donné un crypto aux musulmans qui est le Coran. À partir du Coran, on peut comprendre tous les versets. Maintenant, vous ne forcez pas aller dans un autre livre attendez, pour comprendre ça. Toi, tu es coraniste. Moi, je suis coraniste. Ok. C'est pour cela que je te dis, parce que je suis coraniste que je suis chrétien. Maintenant, parce que si je dois suivre les musulmans, je ne vais pas être chrétien. Comment est-ce que tu sais que ces versets parlent des chrétiens de Najran? Regarde, tu as vu comment les gens étudient le Coran et la Bible, et c'est ce qui fait qu'on se rend compte que non, ils sont hors sujet. Ils n'étaient même pas là il y a 1400 ans ou 2000 ans. Mon frère, comment est-ce que tu sais que ces versets parlent des chrétiens de Najran, toi qui es coraniste? Merci. Ouais, merci. Regarde, moi, coraniste, je suis en 2024. D'accord? Mahomet n'est plus là. Les chrétiens de Nyadaram ne sont plus là. D'après toi, c'est les chrétiens de Nyadaram. Le livre ne me dit même pas ça. Le livre me dit que lorsque j'explique quelque chose à un chrétien, selon Jésus-Christ, et tiens, cet homme-là de jurer, il n'a qu'à jurer. Si moi, je suis dans le mensonge, que c'est lui qui est dans le mensonge, que lui et moi, on jure, qu'on envoie nos enfants, qu'on envoie nos femmes, et qu'on jure. Je n'ai pas besoin de repartir en 2000... à 1400 ans, pour savoir ce jour-là, qui est cementé là-bas. Hey, tu ne pas là-bas? Mon frère. Et toi, tu veux te ramener dans cette époque-là? Mon frère, comment est-ce que tu... C'est pas comme ça qu'on comprend les Corans. Le verset 3, chapitre 3, verset 61, les gens qui parlent ici à Muhammad, on a parlé que ce sont les gens de Najran. Comment est-ce que tu as su que c'était les chrétiens de Najran? C'est écrit où que c'est les gens de Najran? C'est écrit où? Dans le Coran? Mais mon frère, tu m'as expliqué ici qu'ils sont venus poser des questions à Muhammad. C'est toi qui as dit non, ça. Non, tu n'as pas compris. Moi, j'ai les tafsirs. Moi, j'ai au moins les tafsirs. On dit une délégation des chrétiens de Najran. Une délégation. Et celui qui dit ça, c'est Ibn Kathir. Il y a Ibn Kathir. Tabari aussi a aussi parlé de ça. Tabari, même Ibn Hajar Asqalani, il a parlé de que c'était les chrétiens de Najran. Maintenant, comment est-ce que toi qui ne crois pas, tu dis que tu es coraniste. Maintenant, comment est-ce que tu sais que comment est-ce que tu sais que ces gens étaient des chrétiens, des Najran? Comment est-ce que tu sais ça? Voilà. Le fait de savoir que les gens étaient des Najran, étaient des Babylone, étaient de ça n'est pas le problème. C'est un problème. C'est le problème. C'est un problème. Allô. Attends. Il y a un problème qui se passe dans ta tête. Et ça se passe dans la tête de tous les musulmans. Tu es en train de réfléchir comme un musulman. Et quand je suis dans le groupe, on m'enlève. Il me dit, ce jour-là, c'était le chrétien de Najran. J'ai dit, mais c'est écrit dans le Coran. Il me dit, non. J'ai dit, mais c'est écrit où? Il me dit, c'est écrit dans un autre livre. Il me dit, mais ça, c'est ton problème à toi. Moi, j'ai déjà les ayats qui sont là, qui me parlent à moi. Oui, mon frère. On me dit que le prophète Mohammed... Calme-toi. Il n'y a pas 10 minutes, tu m'as dit que
Jésus a dit que je vous enverrai le consolateur. Et tu m'as dit, le consolateur, d'après ton raisonnement, c'est Muhammad. Oui. C'est écrit où que le consolateur, c'est Muhammad? Je dis d'après mon raisonnement, le consolateur, c'est Muhammad. Tu m'as dit comment? J'ai dit selon les paroles de Jésus-Christ. Non, 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 non. La Bible. Moi, mon frère, toi, tu y as dit, toi, ça doit être écrit, c'est ce que tu as dit. Tu dis que lorsque... Oui, lorsque... C'est ce qui est écrit. C'est ce... Oui, allons-y. Montre-moi où est-ce qu'on a dit que c'est Muhammad. Merci. Ça, c'est très important. J'ai dit, le credo des musulmans, c'est le Coran. Et le credo des chrétiens, c'est la Bible. Donc, si je dois raisonner, je dois raisonner sur ces deux livres-là. Et non des livres en dehors. D'ailleurs, non, en dehors, comme façon, tu es en train de faire et pour une katir, non, 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 non. Ce n'est pas le livre qui a été envoyé aux musulmans. Le livre qui a été envoyé aux musulmans, c'est le Coran. Le livre qui a été envoyé aux chrétiens, Dieu merci, c'est l'Évangile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres dans la Bible, donc ils prennent toute la Bible comme étant leur credo. Il n'y a pas de problème. Donc moi, si je dois raisonner, c'est sur les dires de Jésus-Christ. C'est dans la Bible. Jésus-Christ dit, si je ne veux pas, il ne viendra pas. Donc je sais qu'il n'est pas là. Dans ma tête, je sais, au moment où Jésus parle à ces gens-là, l'Esprit de vérité... Répète, Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Jésus dit, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne veux pas, il pose une question et une condition. Il dit, si je ne veux pas, il ne viendra pas vers vous, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Jean 16, versets 7 à 14. Jean 16, versets 7 à 14. Tu peux le lire. Je connais le verset. Voilà, j'ai dit Jean 16, verset 16, 7 à 14. Oui. Tu peux le lire? Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. À 14. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais... Arrête-toi là. Oui. Arrête-toi là. Il met une condition. Toi et moi, on est là à l'école. Il dit, car si je ne fais pas, il ne viendra pas. Donc, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore venu. Tu as coupé le verset. Il ne faut pas couper le verset. On ne le connaît pas. Il ne faut pas couper le verset. Tu as coupé le verset. Continue. Non, tu as coupé. Continue. Tu as coupé le verset. Bon, continue. Tu as dit ceci. Continue. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Non, non, on n'a pas dit il ne viendra pas. Tu as coupé. Il faut dire vers vous. C'est là que le musulman se trompe. Allons-y. Donc le Consolateur est promis à qui? Comment ça lit? Attends, le verset... Comment ça lit? Continue ou bien commencer? Comment ça lit à partir du verset 7? Le verset 7, lit. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne vient... Écoutez, oui, allez-y. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui. Comment tu expliques ce verset? Non, tu m'as arrêté, j'ai coupé. Il dit, il parle à ses disciples. Allô? Oui. Allô? Oui. Il parle à ses disciples. Oui. Autrement, il parle à nous. Non, non. Il parle à nous tous. Non. Non, non, toi, tu n'es pas disciple. Ah bon? Je ne suis pas disciple. Non, tu n'es pas disciple. Je ne suis pas sa parole. Non, non. Ah bon? Eh, hey, écoutez. C'est là que... Attends, mon frère. Tu es disciple, toi, tu es disciple, non? Non, non, toi tu n'es... Est-ce que Jésus a été envoyé vers toi? Jésus. Envoyé vers moi, comme elle n'a pas été envoyée vers moi. Ah! Jésus a été envoyé vers toi? Mais pourquoi il n'a pas été envoyé vers moi? N'est-ce pas? Le prophète a été envoyé vers moi, tout. Ah, hey, attendez. Est-ce que tu confirmes que Jésus a été envoyé vers toi? Bien sûr. Puisqu'il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas envoyé à tout le monde. Il y a des petits musulmans qui disent ça. Non, il ne comprend pas bien.
Parce que c'est ce que j'ai dit. Ok. J'ai dit que Mahomet n'est cité que quatre fois. Hey, attendez. Laisse-moi finir cette petite partie. Calme-toi. Faut que tu la comprennes. Le consolateur est envoyé vers qui ici? Le consolateur est envoyé vers les disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Jésus leur dit, écoutez, il est avantageux pour vous, vous mes disciples, que je parte. Parce que si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Non, il faut pas couper. Et continuez. Vers vous, ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Yeah. C'est pas ça? Non, c'est pas ce que tu as dit. Maintenant, allô. Maintenant, je veux. C'est pas ça. Laisse-moi finir. C'est pas ce que tu as dit. Moi, je n'ai pas la Bible. Je n'ai pas la Bible devant moi. Tu peux lire. Mon frère. Donc, tu peux lire jusqu'au 14. Tu peux lire jusqu'au 14. Non, avant d'aller. Je n'ai pas la Bible devant moi. Explique-moi d'abord ce verset. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Ça veut dire quoi? Tu dis quoi? Le consolateur ne viendra pas vers vous. Ça veut dire quoi? À ses disciples, à ceux qui ont cru en lui. Donc, ils étaient combien? Ah non, je ne sais pas, ils étaient combien? Jésus-Christ avait beaucoup de disciples. Il avait 12 apôtres. Oui. Et puis, il avait beaucoup de disciples. Oui. Oui. Le total faisait combien à peu près? Ah non, moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Le total faisait à peu près 120. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Ok. Si tu vas dans Actes des Apôtres, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font des amalgames terribles, catastrophiques, si tu vas, par exemple, dans Actes des Apôtres, on dit ceci, au verset 15. Le livre de... Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il y avait à peu près 120 disciples. Maintenant, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il parlait aux disciples qui étaient là. Il ne parlait pas à toute l'humanité. Oui. Il ne nous parlait pas à nous. Oui. Mais il parlait aux gens qui étaient là. Maintenant, nous qui devrions recevoir l'Esprit, on a reçu ça à partir des apôtres de Jésus. C'est eux qui sont venus vers nous. Mais le consolateur, Jésus l'a envoyé à ses disciples seulement. À ses apôtres qui étaient là. Ah bon? Oui. Ah. Oui. Comment ça? Où ça? Où les a-t-il envoyés? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu es dans Jean 7? Et dans Jean 16? C'est la Bible maintenant devant moi. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je peux lire? Tu peux lire. Cependant, je vous le dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. Parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Mon frère, je suis allé à l'école, j'ai fait la philosophie, j'ai fait les mathématiques. Je dois raisonner sur ce verset-là. Mon maître me dit, écoutez, mon maître a dit à ses disciples, écoutez, il est à... Il ne vient pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand il viendra, voilà ce qu'il va faire. Mais je dois chercher le consolateur, je dois chercher l'esprit de vérité. Qui il est?
qui est venu après Jésus-Christ, qui est venu enseigner tout, qui a parlé aux gens selon ce que le Christ lui a dit, tu vois, non? Et qui a annoncé les choses à venir. Qui a fait ça? Qui? Qui a fait ça? Hein? Allô? Allô? Un prophète qui est dans la ville. Oui, tu m'entends? Tu dis que... Qui a fait quoi? Je dis selon la Bible. La Bible nous dit un esprit de vérité, c'est un prophète qui est dans la vérité. Non, c'est faux. C'est écrit dans la Bible. C'est faux. Ne te donne, tu ne connais pas, tu n'as jamais lu. Mon frère. Laisse-moi te donner le chapitre. Mon frère, l'esprit de vérité. Qui t'a dit que l'esprit de vérité est un prophète? Allô? Son micro a coupé. Allô? Il a des problèmes sérieux avec sa connexion. Je dois le rappeler. Je dois le rappeler. Il faut que je puisse... OK. Je le rappelle. Allô? Oui, mon frère. Ouais, je ne sais pas si ça t'arrive. Quand il y a un appel entrant, ça coupe le WhatsApp. Ah oui, oui, ça arrive. Ça peut arriver. Ça te fait ça. Voilà. Donc, je disais que quand j'ai raisonné sur ce verset-là, oui. J'ai trouvé dans la Bible un autre verset qui me dit ce que c'est qu'un esprit de vérité. Tu trouveras ça dans 1 Jean. 4. 1 Jean 4 te dit, ô bien-aimé, ne porte pas foi à tout esprit, mais éprouvez d'abord l'esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Bien-aimé, n'ajoutez foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Reconnaissez à ceci. L'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est lui l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, voici ce que la Bible me dit. Jésus-Christ me dit qu'il aura un esprit de vérité et qui viendra enseigner toute la vérité. Mais mon frère, maintenant, dans la Bible. Mon frère, oui? Tu sais ce que tu fais là, on appelle, oui? On appelle ça un raccordement frauduleux. Tu prends un verset. Comment? C'est frauduleux. Donc, tu prends un verset qui parle de l'esprit de vérité. Beaucoup de musulmans font ça. Ils font ce qu'on appelle un raccordement frauduleux. Il dit, 1 Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qui sont des dieux. Mais c'est... maintenant, il prend ce verset et puis il prend l'autre là. On dit l'esprit de vérité. Comme ici, il y a l'esprit de vérité. Là-bas, on parle aussi d'esprit. Et puis on dit
plusieurs faux prophètes. Donc, l'esprit de vérité, c'est un prophète. C'est un raccordement frauduleux. Il a coupé sa connexion. Il a des problèmes, je dois les rappeler. Que je puisse les rappeler. Oui. Oui, mon frère. Ce que tu fais là, on appelle ça un raccordement frauduleux. Tu prends un verset. C'est quoi? C'est la fraude. Tu prends un verset qui parle de l'esprit. Et puis tu prends un autre qui parle de prophète. Et puis tu prends l'autre là qui parle de l'esprit de vérité. Donc, l'esprit de vérité est un prophète. C'est la fraude. Non, non. Écoute-moi bien. Non, non. Écoutez. Non, non, attendez. Bon, allez, finissez d'abord. Finissez de parler. Non, il ne faut pas faire ça. C'est un raccordement frauduleux. Puisque... J'ai dit quoi? Attendez. Tu sais, les petits oustazes que je vois sur Internet sont des grands menteurs. Donc, ils vous marmaillent avec des versets, ils vous manipulent. Ils vous manipulent. Il dit ceci. Oh, si tu vois l'esprit des vérités, donc, cela veut dire tout prophète est esprit. C'est faux. Mais Job avait dit ceci, dans Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, dans tout homme, c'est l'esprit. Donc, je peux aussi dire, l'esprit de vérité est un homme. Donc, il ne faut pas faire des raccordements frauduleux. L'homme, c'est l'esprit. Même un prophète qui vient, il a aussi l'esprit. Mais lorsque Jésus parle de l'esprit de vérité, c'est autre chose. L'esprit de vérité, c'est autre chose. C'est le Saint-Esprit. Il dit que... Non, non, non. Non, non, là, l'esprit de vérité. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Comment tu sais ça? Pourquoi? J'ai dit que avant de commencer... Allô? Oui. Avant de dire que Mahomet est le réel consolateur du Christ, j'ai dit que j'ai raisonné selon les propos de Jésus-Christ lui-même et la Bible. Je sais que quand il dit que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas et qu'il n'est pas encore là. Et qui n'est pas encore connu. Il ne faut pas couper le verset. Il ne faut pas dire il ne viendra pas. Et tu as coupé le verset. Non, non. Moi, l'objectif, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas ça. C'est ça l'objectif. Je vais te faire comprendre d'abord. Puisque je sais qu'on t'a marmaillé. Il dit que l'esprit ne viendra pas. Non, il a dit vers t'as vous. Vu, là... Ok, vers vous. Vers vous. Ça va? Oui. Allô, ça va? Oui. Vers vous. Je dis, quand le Christ, quand le Maître nous dit ça, c'est que l'Esprit n'est pas encore venu. On ne le connaît pas. Non, 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 on n'a pas dit ça. Mais, c'est ce que, vous voyez, moi j'ai fait les mathématiques, hein. J'ai fait les philosophies. Donc moi, je ne suis pas un littéraire. Moi, je raisonne. Il a mis une condition par rapport à la venue de l'Esprit de Christ. Il a mis une condition. Il a dit, si je ne viens pas, il ne viendra pas. Est-ce qu'il est là? Je te pose la question. Il est là? Non, 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 tu as coupé le verset. Il n'a pas dit il ne viendra pas. Attends, il est là? Il ne faut pas couper le verset. Il est là. Et puis il dit que s'il ne veut pas, il ne viendra pas. Non, il n'a pas dit il ne viendra pas. La chose est connue. Il n'a pas dit il ne viendra pas. Il l'a dit vers vous. Il dit si je ne vais pas, il ne viendra pas. Vers vous. Ah, c'est pas ça? Oui. Puisque il était. Donc, il faut que je. L'esprit. Ouais, donc il faut que je m'en aille. Oui. Puisque l'esprit, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur les disciples encore. C'est pour cela qu'il dit ceci. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous. Il dit. Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Jésus était là. Jésus, c'était lui-même qui est le Saint-Esprit. C'était lui-même le Saint-Esprit. Maintenant, il dit ceci. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Vous ne serez pas baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit. Si je pars, je viendrai à vous comme le Saint-Esprit. Et puis, écoutez, il faut faire beaucoup attention.
Attention. Après, c'était Magou. Non, là, c'était... Ah. Je te donne une écriture. Puisqu'il il faut bien lire l'écriture. Je suis dans Jean. Jésus parle du Saint-Esprit. Il dit que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous et en vous. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le verset... Allô. Jean chapitre 14. Allô. Oui, allô. Allô. Oui. Jésus lui-même était un consolateur. Ça, c'est pas un problème. Non, calme-toi. Écoute bien. Calme-toi. Non, moi, je veux pas discuter. Regarde, je veux pas discuter pour avoir raison. Hein. Moi, je cherche pas à avoir raison. Je veux te donner une compréhension que tu n'as pas. Moi, j'aime déjà le Christ. Tu peux pas m'enlever l'amour du Christ. Est-ce que tu vois? Donc, mon débat avec toi, ça, tu peux jamais mon raisonnement. Pourquoi est-ce que j'aime Mohamed aussi? Aux gens qui ont prétendu aimer Abraham. Écoutez, ce que Jésus a dit aux gens qui ont prétendu. Laisse-moi finir. C'est ce que Jésus a dit aux gens qui ont prétendu aimer Abraham ou Moïse avant lui. Il a dit non. Mais si vous aimez Moïse et Abraham, vous devez moi m'aimer. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, ni Abraham, ni Moïse vous a dit. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que je veux aussi que tu m'écoutes. Moi, je ne suis pas contre. Moi, je suis né, il y avait ces livres-là. Tu as vu? Donc, moi, je ne suis pas un dogmatique. Je ne veux pas. Il faut que je raisonne parce que c'est la raison qui va me sauver. Ce n'est pas avoir foi pour avoir foi. Non. Jésus-Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Parce que ceux qui l'ont trahi, même c'est ceux qui étaient avec lui. Donc, j'ai dit, faisons attention, raisonnons. Si tu raisonnes, cible eux-mêmes, sur tous les apôtres. Jésus-Christ, ça a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Ce micro est en train de couper. Et il a dit, qu'est-ce qu'il va faire. Il a même informé l'humanité tout entière pour dire, écoute, comment est-ce que les gens allaient les tiens? Et toi-même, je vais te poser la question. J'ai dit, si ta soeur te dit qu'elle enceinte, et que tu lui dis, qu'est-ce qui t'enceinte? Et elle te dit, non, hier, il y a un esprit qui est venu vers moi, il m'a dit que je serai enceinte. Tu vas croire? Qui allait croire à Marie en ce temps-là? Qui? Et son cousin vient pour dire, Jean, le charpentier vient pour dire, Joseph, pardon, le charpentier vient pour dire, c'est vrai, l'esprit aussi est passé. Mon frère. L'esprit aussi est passé me voir. Une minute. Vous dites que vous êtes mathématicien. Hein? J'ai dit, je fais les mathématiques. Ah. Donc moi, je raisonne. Ah, tu raisonnes. Je fais les philosophies. Ah, ok. Il faut raisonner. Si tu ne raisonnes pas, tu ne peux pas... Oh, oui, c'est bien de raisonner. Maintenant, écoutez ce que l'Esprit dit, ce que la Bible dit. Jean au chapitre 14. Mm-hmm. Jésus a commencé à parler de ce consolateur depuis très longtemps. Jean au chapitre 14, verset 26, Jésus dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, Jean 14, 26, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc Jésus, lorsqu'il parlait du Consolateur, il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 17. Il n'a pas dit Saint-Esprit. Il a dit quoi? Il n'a pas dit Saint-Esprit. Il a dit quoi? Il a dit l'Esprit Saint. Oui, oui. Il a dit l'Esprit Saint. Oui, oui. Mais le consolateur. Il n'a pas du Saint-Esprit. Non, calme-toi. Comme tu veux être technique, moi je suis plus technique que toi. Lorsque tu dis l'Esprit Saint, c'est ça même, le Saint-Esprit.
Hein? Bon, allons-y, c'est ce que tu ne viens pas. Allons-y. Non, attendez, attendez. Moi j'aime parler avec les Écritures. Tu as dit que Jésus a parlé du Saint-Esprit et de l'Esprit Saint, il n'a pas dit Saint-Esprit, c'est ce que tu as dit. Hein? J'ai dit, Jésus a dit Esprit, il a appelé la chose Esprit de vérité, il a appelé Esprit Saint. Il a appelé consolateur. Non, tu as dit que. Voici les trois noms. Voici les... Tu as dit, Jésus n'a pas dit que c'est le Saint-Esprit. Il a dit l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit Esprit de vérité, Esprit Saint, consolateur. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, moi, je t'informe que lorsqu'on parle de Esprit Saint, c'est ça même le Saint-Esprit. Mm-hmm. Puisque j'ai l'origine. D'accord, c'est toi qui dis. Non, je t'éprouve ça avec la Bible en grec. En grec, on dit ceci. Puisque le nouveau. La Bible en grec. Oui, j'ai ça. Attends, la Bible en grec. Oui. Mais Jésus ne parlait pas grec. Il parlait quelle langue? Jésus parlait en hébreu. Lisons maintenant. On dit ceci. Parakletos to pneuma, pneuma agion. Pneuma agion, ça veut dire l'Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit, c'est ça le grec. Pneuma agion. Parakletos. Attends, Jésus a dit Parakletos. Jésus a dit Parakletos. Parakletos, pneuma agion. Cela veut dire l'Esprit Saint. Il a dit ça. L'Esprit Saint, c'est. Il a parlé en grec. L'Esprit Saint, c'est. Je veux savoir ce que l'Esprit Saint. Non, attendez. Est-ce que le Christ a parlé en grec? Le Christ parlait, en tant que Christ, il pouvait parler beaucoup de langues. Mais, tu as vu? Laissez-moi te dire, tu sais qu'à l'époque de Jésus, on parlait en Israël trois langues. On parlait. Ah, vraiment? Non. Quand tu parles du Christ, tu me parlais de autre chose. Je te dis. Jésus. Jésus-Christ est venu. Jésus, à son époque, il parlait trois langues en Israël. Il parlait l'hébreu, il parlait et le grec, et puis il parlait le latin. C'est la Bible qui dit ça. Dans Jean au chapitre. Jean au chapitre. Jésus, allô, écoute bien. Oui. Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui. Oui. Il n'avait aucun disciple qui était grec, qui était latin. Ou qui était quoi que ce soit. Il en avait. Aucun de ses apôtres était grec, latin ou quoi que ce soit. La Bible nous dit qu'il parlait en hébreu. C'est pas grave. Je dis. Calme-toi. Mon problème avec toi. Lorsque Jésus est mort, on a écrit en hébreu, en grec et en latin. Eh oui. C'est dans Jean au chapitre 19, verset 20. Donc, en Israël, à l'époque de Jésus, les gens, la Bible est venue, nous est donnée à nous, nous est parvenue en hébreu, en grec et en latin. La Vulgate que nous avons, la Vulgate, c'est en latin. C'est comme ça qu'on a reçu la Bible. Ouais. Et c'était des langues, lingua franca, qu'on parlait au temps de Jésus. Et puis, Jésus avait des disciples grecs. Allô? Mon frère, je t'ai dit ceci. Oui. À l'époque de Jésus, on parlait trois langues en Israël. On parlait hébreu, on parlait grec et on parlait le latin. C'est ainsi que nous avons reçu. Notre Bible est en hébreu, en grec et puis en latin. La Vulgate, c'est en latin. Et puis, je t'informe que Jésus avait des disciples grecs. Il n'y a pas de problème. Hein? Ça, c'est pas un problème pour moi. Non, c'est pas grave. Non, calme-toi. Non, attends, allez. Il faut que je puisse te clarifier. Non. Jésus avait des disciples. Non, en fait, si on cause. Le disciple. Si on cause, c'est celui qu'on appelle Luc.
Luc était allô, allô, allô. Luc était grec. Luc est grec. Luc était grec. Luc était grec. Oui. Le disciple de Jésus-Christ était Luc était grec. Oui, oui, il était grec. Le disciple est l'apôtre de Jésus-Christ. Non, il était disciple. Je parle pas de celui qui a écrit Luc. Luc, disciple. Moi, je parle de l'apôtre de Jésus-Christ. Luc, c'est lui qui a écrit le livre de Luc, le disciple de Jésus. Était grec. C'est lui qui a écrit le livre de Luc, attribué à Luc, par exemple, l'évangile Matthieu, Marc, Luc, et puis Jean. Ils ne sont pas eux-mêmes des contemporains. C'est toi qui dis ça. Non, c'est toi qui dis ça. Non. Donne-moi la preuve. C'est pas grave, on va pas aller dans les. Non. Vous savez, moi, mon problème. Tu ne peux pas faire des déclarations gratuites sans preuve. Le disciple de Jésus, Luc, qui était l'un des 70 disciples, c'est lui qui a écrit le livre de Luc. Et c'était en grec. Est-ce que c'est lui qui est l'apôtre de Jésus, le Luc, là? Il est disciple de Jésus, pas apôtre, disciple. Merci. Dieu merci. Donc, tu le sais, déjà, c'est bon. Donc, Jésus-Christ lui-même ne parlait pas en grec. OK? Donc, il parlait. Les disciples de Jésus parlaient grec. Allô. Allô, tu m'entends? Oui. Ah, toi, ton problème avec moi, tu arrives à un niveau où tu veux bloquer le débat. Moi, je t'ai déjà dit que je suis chrétien. Donc, ne bloque pas le débat. Tu ne peux pas me transformer en chrétien déjà. Moi, je suis déjà. Tu ne peux pas me convertir d'un chrétien en chrétien. Tu es un musulman aussi. Oui, je suis musulman. Maintenant, comment... Je suis musulman, ça, j'ai... Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être musulman. Tu ne peux pas dire que tu es musulman chrétien. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Qu'est-ce signifie le mot musulman? Moi, je te pose la question et toi, tu me poses une question. Si tu étais ici, elle te dit que tu es un Ivoirien, un Baoulé. Bon, regarde, tu poses une question encore. Alors que tu m'as dit. Tu ne peux pas être musulman. Et chrétien en même temps. Oui. C'est une comédie. Ça n'a pas de sens. Puisque un musulman, d'après le Coran, un musulman doit croire à son Coran. Le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Donc les musulmans disent que Jésus n'a pas été crucifié. Maintenant, les chrétiens disent Jésus a été crucifié. Donc, tu ne peux pas être chrétien musulman. Ça n'a pas de sens. Merci. C'est à cause de ça? Oui. Il y a beaucoup de raisons. Merci. Ça, c'est la première raison. Tu peux expliquer cette raison-là, celle-là? Oui. Merci. C'est pour cela que je te dis, je reprends encore, que Mahomet est le réel consolateur du Christ. Non. Parce que Jésus-Christ. Laisse-moi finir. Non. Tu n'as pas su prouver qu'il est même un esprit. Non, je vais t'expliquer. Ouais, laissez-moi finir. Vous m'avez dit, eh bien, parler, c'est à moi la parole, ou bien vous voulez m'arracher ça encore. Vous avez dit que je ne suis pas un bon chrétien, je ne peux pas être chrétien en même temps musulman. La raison que vous avez évoquée, vous dites que parce que le Coran dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. C'est pas ça? Alors que la Bible dit que Jésus-Christ a été crucifié. C'est pas ça? Allô? Vas-y, mon frère. Voilà, donc je dis, c'est ce qui fait que je crois encore plus à Mahomet et Jésus. Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, a dit dans Matthieu 12, à partir du verset 38, qu'il ne sera pas crucifié. Parce que crucifié veut dire attacher quelqu'un sur la croix ou le pointer, mais s'il meurt sur la croix, on dit qu'il a été crucifié. Mais s'il ne meurt pas sur la croix, cette personne n'est pas crucifiée. C'est ce que crucifié signifiait. Parce qu'aujourd'hui, quand
l'événement de Jésus-Christ arrive dans le monde, on voit un peu partout au Népal, partout, des gens qui montent sur la croix, on les pointe sur la croix, 10 minutes après, ils descendent, ils allument une cigarette, ils sont. Si cette personne-là est morte par accident, est-ce qu'on va dire que cette personne avait été crucifiée? Non. Et tu vois. Mais Jésus-Christ, le mot que tu veut dire, pointé, attaché, mais il faut que tu meurs sur la croix. Si tu ne meurs pas, tu n'es pas crucifié. Et Jésus-Christ avait déjà dit à tous ceux qui l'entendaient, dans Jean, Matthieu 12, verset 38, il a dit, écoutez, je vais vous donner un signe. Mais le signe que je vais vous donner, c'est le signe de Jonas. De même que Jonas est resté 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Jonas n'était pas mort 3 jours, 3 nuits. Le livre de Jonas est là, vous pouvez le lire, dans le ventre du poisson. Et Jésus-Christ, 3 jours, 3 nuits dans le sépulcre, n'était pas mort. Parce que si Jésus est mort, c'est que tous les chrétiens du monde vont me dire que Jésus-Christ a menti. Jésus dit que je ne serai pas mort. 3 jours, 3 nuits. Répète. Mais on m'en souvient pour dire. Calme-toi. Tu as dit que Jésus a dit que je ne serai pas mort 3 jours. Et où est-ce que Jésus a dit ça? Il a dit que ce sera comme Jonas. C'est le signe de Jonas, je vais vous dire. Le signe de Jonas. Quand tu lis le livre de Jonas, 3 jours, 3 nuits, Jonas n'est pas mort. Qui t'a dit ça? Le ventre du poisson. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Jonas n'était pas mort? C'est la Bible qui dit, tu ne connais pas l'histoire de Jonas? C'est écrit où que Jonas n'était pas... C'est écrit où que Jonas était mort? N'était pas mort? Oui. C'est écrit où... Tu n'as pas lu le livre de Jonas? J'ai la Bible dans mon sang. Ouais. Jonas était mort, je te pose la question. Jonas était mort? Hé, mon frère. Il ne faut pas faire des déclarations. Que tu seras le Tu seras le premier chrétien sur la terre qui dit que Jonas est mort 3 nuits et 3 nuits dans le ventre du poisson. Premier chrétien sur la terre qui va dire ça. Parce que tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive. Ok. Comme Dieu qui est intéressé par l'histoire de Jonas. Comme tu as dit. Tu connais l'histoire de Jonas. Comme tu as dit que je serai. Tu connais l'histoire de Jonas. Comme tu dis que je serai le premier chrétien à dire ça sur la terre. Peut-être que tu n'as jamais entendu d'autres chrétiens. Oui. Je t'informe que Jonas était mort. Je connais l'histoire de Jonas. Tu ne vas pas venir m'expliquer. Ça est dans le Coran, ça est dans la Bible. Non, non, tu ne connais pas l'histoire. Il faut apprendre. Tu as lu l'histoire. Tu as lu. Mais maintenant, je t'apprends que Jonas était mort. Ah bon? Oui. Mais s'il est mort, où est le miracle? Ressuscité, c'est ça le miracle. Ah, Jonas s'est ressuscité? Oui. Il est mort. Il est mort. Jonas, il s'est fait. Jonas était mort et puis il est retourné à la vie. C'est écrit dans la Bible. Oh, vraiment. Regardez, ça, vous avez un gros problème. Je vais te lire. Lisons les livres de Jonas. Jonas 2. Vous qui avez la foi. Jonas, lisons Jonas. Écoutez. Jonas, écoutez, tu peux me lire. Vraiment. Tu me parles, regardez. Ça me fait mal, hein, quand j'ai des frères chrétiens qui tutoient la Bible avec eux, mais qui ne lisent pas la Bible, qui cherchent à avoir raison. Moi, je dis, tous les chrétiens du monde savent que Jonas, Dieu l'avait envoyé à Ninive. Et il a appelé à Jippo, il a pris un bateau, et l'intempête s'est levée. Et les gens ont dit, non, il y a quelqu'un qui est en train de fuir son maître. Jonas a reconnu que c'était lui. Les gens ont dit non, on a notre méthode ici pour savoir. Ils ont lancé le dé, c'est tombé sur Jonas. Jonas lui-même s'est laissé tomber dans l'eau. Un poisson l'a avalé. Jonas a commencé à prier dans le ventre du poisson. Si Jonas meurt 3 jours, 3 nuits, où est le miracle? Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas. Oh, ok. Quelqu'un qui me tombe dans l'eau. Attendez, laissez-moi finir. Je vais vous expliquer le contexte. Parce que vous ne connaissez pas, quand Jésus-Christ parle, Jonas a témoin là. Vous ne connaissez même pas le contexte. Si Jonas meurt, et un homme qui rentre dans l'eau, s'il peut perdre 2 heures du temps, 3 heures du temps, il ne peut pas. Jonas a fait 3 jours, 3 nuits. Et la Bible nous dit qu'il priait son Seigneur dans le ventre du poisson. Mais mort prie-t-il? Non.
Jonas priait et au troisième jour, le poisson l'a quitté. Il était mort ou bien vivant? Il était vivant. Jonas était vivant quand il tombait dans l'eau, vivant dans le ventre du poisson, vivant quand il est sorti du ventre du poisson. C'est ce que l'histoire de Jonas est claire. Le Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, la même chose. Il dit, écoutez, écoutez, aucun signe ne vous te rappelle. Aucun. Si ce n'est que le type Jonas. Même que Jonas. Il dit de même que Jonas. Resté 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, le fils de l'homme restera 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Et les gens pensaient qu'il était mort. Quand tu lis le livre, tu te rends compte que les gens pensaient, même ses disciples ont pensé qu'il était mort. Parce qu'au troisième jour, quand il apparaît, ils veulent fuir. Il leur pose la question, mais pourquoi vous fuyez? Il dit, non, maître, on a pensé que tu étais un esprit. Il dit, mais non, un esprit d'un hippo. Cher, ok, il ne faut pas te répéter. Touchez-moi. Il ne faut pas te répéter. Non, il dit, touchez-moi. Il ne faut pas. Il dit, touchez-moi. Quand ils ont touché, ils ont dit, mon frère. Ne croyez pas avoir la nourriture. Mon frère. Voilà, ça veut dire que la Bible est claire qu'il n'est pas mort. Non, non, non. Quand je dis, il n'a pas mourir. Non, non. Calme-toi. Jésus dit ceci, Matthieu 12, 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » C'est Jésus qui a dit ça. Maintenant, on va poser la question. On va poser la question à Jonas, s'il était mort ou bien s'il était vivant. On va dans le livre de Jonas, chapitre 2. C'est grave. Jonas, chapitre 2. Il faut lire les Écritures. Moi, j'aime faire lire les gens. Puisqu'il y a, il y a des gens qui... Tu n'as pas lu. Je ne connais pas à cœur l'histoire de Jonas. Donc, tu ne vas pas me faire lire une histoire que je ne connais pas à cœur. Ok. Maintenant, on va lire la Bible. Jonas, il dit ceci. Commence l'histoire. Dans ma détresse... Non, commence l'histoire. Non, commence l'histoire de Jonas. Je suis là, on a le temps. Jonas, chapitre 2, au verset 2. Ah, il a coupé le téléphone. Je vais le rappeler. Oui, oui, mon frère. Allô? Allô? Oui. Oui, comment c'est l'histoire de Jonas? Ok. À partir du bateau. À partir du bateau. Je suis dans Jonas, le livre de Jonas, chapitre 2, au verset 2. Il dit ceci. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié. » Merci. Donc, Jonas était où? Dans le séjour des morts. Le séjour de mort, là où Jonas était, on appelle... Les morts pris. On appelle ça le séjour de mort là-bas. On appelle ça aussi Sheol. On appelle aussi Sheol. Il dit ceci, dans la version de Darby, il dit du sein de Sheol. Sheol, c'est là où que se trouvent les morts. Jonas dit que il était même là où les morts se reposent là. Jonas dit, de séjour de mort, j'ai crié. Et il a prié dans le séjour de mort. Et puis, il dit ceci. S'il était dans le séjour de mort, il était donc mort. Et attendez, je descends ici. Il est mort. Lisons la Bible. Il a dit. Au verset 5, il dit ceci. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Ôter la vie veut dire quoi? Donc, sa vie a été ôtée. Cela veut dire qu'il était mort. Et puis, on descend. Il dit ceci. Mais tu m'as fait remonter vivant. Cela veut dire qu'il était mort et puis il est revenu à la vie. Non, tu ne comprends pas la parole de Dieu. Tu la digères mal. Est-ce que tu vois? En fait, tu lis des choses, mais tu ne comprends pas. Ah, si tu prends tout de manière littérale, tu ne vas rien comprendre. Et c'est ce qui, aujourd'hui, fait le problème de la plupart de mes frères chrétiens. Mon frère, Jonas a dit, j'étais dans le séjour de mort. Il est entré dans le séjour de mort comment?
Jonas, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Vous ne connaissez pas l'histoire de Jonas. Et aujourd'hui, je me rends compte que vous ne la connaissez pas. L'histoire de Jonas, par contre, est claire. C'est l'un des miracles les plus fondamentaux que tous les chrétiens doivent connaître. Et je me rends compte aujourd'hui que toi, seul au monde, toi, seul chrétien, tu ne connais pas l'histoire de Jonas. Tu vois, Jonas, le prophète Jonas, que la paix de Dieu soit sur lui, s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Il s'est laissé tomber dans l'eau. Et Dieu, dans sa miséricorde, a voulu qu'un poisson l'enveloppe. C'est ce que je te dis. J'ai dit, un être humain, même 3 heures du temps dans l'eau, est mort. Normalement, il est mort. C'est tout comme. Parce que l'eau, c'est impossible pour un être humain de pouvoir vivre comme ça. Donc, dans cette ténèbre, Dieu l'a enveloppé encore dans une autre ténèbre. C'est-à-dire dans le ventre du poisson. Et quand dans le ventre du poisson, Jonas a prié. C'est ça qu'il est en train de te raconter. C'est ça lui-même qui te raconte. Ces prières-là. C'est ça qu'il a prié. Il dit, j'étais dans les ténèbres. Je suis allé dans le séjour de même des morts. Jonas est en train de t'expliquer sa propre expérience. Mais il priait son Seigneur. Il sait que c'est Dieu seul qui peut lui donner la vie. Là, là, il est mort. Dans le ventre d'un poisson. Mais le poisson va le bouffer. Quand tu as déjà vu un poisson qui va prendre un homme, sans le bouffer. Eh, mon frère. L'eau d'abord. Jonas dit que sa vie là, a été ôtée. Il a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, c'est grave. Hein? Je suis en train de vous expliquer quelque chose que vous n'arrivez pas à... Regardez, ne me donne pas ton explication. Il faut me lire ce qui est écrit. Ne donne pas ton explication. Je la connais. Je connais l'histoire de Jonas. Je suis en train de vous la raconter. Je dis, elle est coranique, elle est biblique. Ce n'est même pas seulement dans la Bible. Allez-y lire dans toutes les autres histoires. Tu es le seul chrétien au monde que je viens d'entendre au monde, que Jonas était mort. Tu es le seul chrétien. Tout le monde sait que les morts ne prient pas. Jonas est en train d'expliquer qu'en temps normal, il est mort. Attendez. Et que celui qui l'a fait revenir à la vie. Attendez. Oh, tu dis que les morts ne prient pas. Qui t'a dit ça? Les morts prient comment? Comment tu es mort, tu pries? Tu es mort. Le monde est sur la terre, parce qu'on est vivant. Attendez. Tu dis que le mort ne prie pas. Oh. C'est ce que tu dis? C'est grave, hein? Non. calme-toi. Tu dis que. Tu cherches à avoir raison. Tu dis que le mort ne prie pas. C'est ce que tu as dit? Mais comment toi, tu es dans le séjour des morts? Tu es mort? Un mort va prier comment? Maintenant, comment est-ce que. Toi et moi, on peut prier. Comment est-ce que Muhammad a parlé dans un hadith de Sahih Bukhari de pulvérisation de la tombe? De quoi? Punition de la tombe. Allô, tu dis quoi? La punition de la tombe. Coranique, non, ou bien biblique. Ou bien dans un autre livre. Dans un autre livre. Sahih Bukhari. Bukhari, écoute-moi. Non. Calme-toi. Muhammad a dit les morts. Non seulement ils parlent, ils peuvent prier. Ça, c'est Sahih Bukhari. Je te donne Sahih Bukhari 1372. Mais Bukhari, c'est quoi? Non. Tu ne connais même pas l'histoire de Bukhari. Mon frère, tu. Est-ce que tu connais l'histoire de Bukhari? Tu es musulman. Tu sais, comment est-ce que moi j'attrape les musulmans? Lorsque quelqu'un commence à faire des tergiversations, moi je suis là. Sahih Bukhari, 1372, oui. Aïcha a dit, Sahih Bukhari 1372, rapporté par Amasrouk, Aïcha a dit qu'une juive, une juive est venue la voir. Comment est-ce que les morts là chez vous? Mais attends. Les morts. Non, attends, tu vas me raconter l'histoire. Quelqu'un qui est. Tu veux que je croie ça? Mais si tu es musulman. Je te pose la question. Si tu es musulman, tu dois croire à ça. Bon, c'est écrit où ça? C'est écrit où? Dans le Coran? Attends, c'est écrit dans le Coran? Il faut croire à Bukhari. Toi, tu n'es pas sunnite? Ah! Moi, je ne suis ni sunnite ni chiite. Et donc, tu es un musulman hybride.
C'est quoi ça? Ça, c'est quoi encore? Tu es hybride. Ça, c'est quoi encore? Donc, je n'ai pas vu ça dans le Coran. Je n'ai pas vu musulman sunnite chiite. Je n'ai pas vu hybride dans le Coran. Je suis Hanifa musulmane. Tu es un... Hanifa, pur. Je suis un pur musulman. Tu es un musulman... Comme Abraham. Tu es un musulman fourre-tout. Fourre-tout. Non, non, non. Alors là, tu vas crier. Ah, attendez. Bon, là encore, ce n'est pas dans mon courant. Attendez. Chez les musulmans, les morts. Les morts peuvent prier. Et d'ailleurs, vous priez même pour Muhammad. Vous dites que la paix soit sur lui. Vous priez sur Muhammad. Il est déjà mort. Comment est-ce que vous priez sur un homme mort? Et puis Muhammad a dit ceci. Priez sur lui, lui aussi va prier sur vous. Muhammad prie pour vous, n'est-ce pas? Mais attends, moi je comprends, papa, hein, cher ami. Tu sors du Coran à tout moment. Tu ne fais que sortir du Coran. Non. Tu vas aller dans Bouhari, tu vas aller dans Trimidi, tu vas aller dans d'autres lits. Tu as vu que tu as un gros problème avec moi. Tu n'arrives pas à m'attraper avec le Coran, il faut que tu sortes dans d'autres lits pour pouvoir m'attraper de fabrication des gens. Moi je dis, si tu connais l'histoire de Bouhari, tu n'as même pas cité Bouhari. Bouhari n'a jamais plié un livre, jamais de toute sa vie. Jamais. Il a fait des recherches. C'était un homme pieux. Quand il est devenu musulman, il a commencé à faire des recherches sur l'histoire de son prophète. Donc, il a commencé à recenser les wikis, il a commencé à les corriger. Il n'est même pas fini, il est mort. Les gens ont édité tout son livre. Comme cela, les chiites vont se servir de Bouhari pour contredire les sunnites, et les sunnites vont se servir de Bouhari pour contredire les chiites. Moi, je ne suis même pas dans ce domaine-là. Moi, c'est dans mon domaine même musulman, mais je ne suis même pas là. Quand je suis pour le groupe des sunnites, on me chasse. Quand je suis pour le groupe des chiites, on me chasse. Parce que moi, je vais raisonner. Moi, je vais raisonner. Moi, je ne suis pas dans une histoire d'arabe. Oh, ils sont arabophonisés. Moi, je ne suis pas arabophonisé. Je ne comprends même pas la langue arabe. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, j'ai des problèmes avec mes frères musulmans qui sont allés étudier en Arabie Saoudite, qui sont allés étudier en Iran. Tu as vu, non? Parce que pour eux, c'est ça l'islam. Je dis, mais vous n'avez rien compris de l'islam. Est-ce que c'est Mohammed que la paix de Dieu soit celui qui a créé l'islam? Non. Le mot musulman même, c'est écrit dans le Coran. La première personne qui a dit le mot musulman, c'était Abraham. Donc le mot musulman n'est même pas un mot en arabe, parce qu'Abraham n'est pas arabe. Tu as vu? Donc quand je leur dis, c'est étonné, je dis, mais allons-y. C'est le Coran même qui dit, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Donc moi, je suis musulman, je raisonne. Je vous ai commencé à vous dire qu'il faut raisonner. La foi doit se bâtir. La foi, la foi doit se bâtir sur des bases solides. Maintenant, retourne. Si la foi n'a pas une base solide. Hey, mon frère. Calme-toi, Muhammad. Elle va s'exprimer. Tu sais, Muhammad, un jour, il disait à ses disciples de faire des invocations sur lui. Jusqu'à présent, les musulmans font des invocations sur lui. Ils prient sur lui. Et puis, Muhammad a dit lui aussi va invoquer les invocations pour eux. Et puis les disciples ont dit à Muhammad, comment est-ce que tu vas prier pour nous lorsque tu seras mort? Ça, c'est où? Dans le Coran? Lorsque tu seras mort. Muhammad a dit... C'est où ça? Dans le Coran? Muhammad a dit que le corps des prophètes... C'est dans le Coran, je vous pose la question. C'est dans le Coran, monsieur. Non, ça c'est dans les hadiths. Bon, laissez les hadiths. Non. Je ne crois pas à ça. Non. Si tu es musulman, tu dois croire à ça. Ah bon, c'est écrit ça? Mais toi, tu es quel genre de musulman? J'ai dit, j'ai un problème avec le problème. Allô, moi, ça, déjà, quand je suis sur la groupe, on me chasse. Le livre qui a été donné à Mohamed, c'est quel livre? C'est le Coran ou c'est Bouhari ou c'est Muslim? Répondez-moi, les musulmans. Et bien, c'est le Coran. Je dis, mais ça, ce n'est pas dans le Coran. Et tu vas chercher un autre livre. C'est comme Dieu donne l'évangile à Jésus-Christ. Et toi, tu vas aller chercher les explications dans quel autre livre? C'est l'évangile que Dieu a donné à Christ. C'est tout. Viens, elle n'écoute pas. Donc, toi, tu es vraiment un musulman hybride. Hein? Non, il faut raisonner. Les gens ne veulent pas raisonner. Ils veulent tout ramasser et avaler tout. On n'avale pas tout. On raisonne. Et tu nous dis qu'il faut raisonner. Que dans toutes les signes, il y a des signes pour ceux qui raisonnent, pour ceux qui réfléchissent.
il est devenu du coup là-bas. Tu m'as appelé de lui rendre du coup là-bas. Non, mais il a dit que moi je l'ai mis au travail, c'est pas la salle. Et puis il me fait quoi? Il va accepter de faire sa clinique, il n'y a plus d'eau. Donc va chez Charlatan. Et alors? Ah. Excusez-moi. Oui. Donc, un musulman comme oui. toi, un musulman comme toi, tantôt tu acceptes, tantôt tu acceptes les hadiths, tantôt tu n'acceptes pas les hadiths, tantôt tu parles des hadiths, tantôt tu ne parles. Moi, je dis ceci. Mohamed a dit ceci. Bon, écoutez. Et attendez. Non. Attendez. Un homme qui redit sa parole, il dit ceci. Mohamed dit ceci. Je pense que vous êtes musulman. Jamais. Jamais. Vous ne croyez pas. Vous-même. Vous ne croyez pas. Maintenant, Mohamed a dit ceci. Attendez, je vais lire. Le messager d'Allah a dit ceci. L'un des meilleurs de vos jours, c'est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam fut créé et qu'il mourut. Quand ce jour retentira la trompette et que toute la création s'évanouira, priez donc sur moi en ce jour, car vos bénédictions me seront révélées. Et ils dirent, ô messager d'Allah, comment nos bénédictions te seront manifestées alors que ton corps sera désintégré, tu seras mort complètement. Mohamed dit, Allah a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes, rapporté par Imam Ahmad, dans Imam Ahmad Al-Musnad 2680. 26840. Donc Mohamed a dit ceci, il faut prier sur moi. Vos invocations me seront données. En arabe, on dit les invocations, ou bien les salats, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, il dit que lui va prendre maintenant les prières des musulmans et il va adresser ça à Allah. Donc les morts prient dans l'islam. Vous priez chaque jour sur Mohamed. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, vous dites ça. Donc vous le bénissez. Vous priez sur lui. Lui aussi prend vos prières, il prie vers Allah. Donc les morts prient. D'accord. Merci. Ça va? Je peux parler maintenant? Donc c'est ma mère, vous avez pris. Vous venez justifier Jonas, quoi. Allô? Donc, ma mère, Jonas qui a pris des siècles avant, c'est ma mère, tu prends pour venir justifier Jonas. Moi, je pensais que tu allais me prendre le crédit de la Bible. Non. Je dis non. Si tu es chrétien, je parle de la Bible. Si tu es musulman hybride, pourquoi vous m'arrachez la parole? Pourquoi à chaque fois vous m'arrachez la parole? Vous avez déjà dit, moi je suis un musulman. Je sais que la mort est physique, la mort est spirituelle. Le Christ même l'a dit. Si vous croyez à moi, vous ne serez pas mort. Passerai de la vie à l'éternité. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, je sais que le prophète Mahomet, ça fait la paix de Dieu sorte pour lui, est une miséricorde pour l'univers. Ça, c'est des versets coraniques. Il a été envoyé à l'univers tout entier. Attends, tu as dit il a été envoyé où? À l'univers. C'est écrit où? C'est coranique. C'est écrit où? C'est coranique. Donne-moi le verset. Lui, Mohamed, est une miséricorde pour l'univers. C'est écrit où? Donne-moi ça. Nous t'avons envoyé comme une miséricorde à l'univers. Donne-moi le verset. C'est pour un folie. Hein? Donne-moi le verset. Moi, je n'ai pas le verset dans la tête. Hein? Non. Je ne suis pas un affiche. Hein? Non. Moi, je suis. Non, moi, je ne suis pas un affiche. Affiche, ça veut dire quelqu'un qui a mémorisé tout le Coran. Non. Moi, je suis un affiche. Moi, je te donne un verset. Moi, je suis un affiche. Tu as le temps? Moi, je suis un affiche. Voilà, tu as le temps de voir. Je suis un affiche, moi. Voilà. Je vais te dire qu'on t'a trompé. Mohamed n'est pas envoyé à tout l'univers. C'est faux. Non. Vraiment. J'ai dit, c'est écrit dans le Coran. Donne-moi les versets. Le code à l'univers. Non, c'est faux. Mais je n'ai pas lu. Tu dis quoi? Je n'ai pas compris. Ce n'est pas écrit comme ça dans le Coran. Où est-ce qu'on dit? Ce n'est pas écrit dans le Coran. Où est-ce qu'on a dit que Mohamed a été envoyé à tout l'univers? C'est écrit où? Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. J'ai dit que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, oui, ne quittez pas, oui, c'est qui? Oui.
Bonjour, ça va? Est-ce que vous me suivez, monsieur? Vas-y. J'ai dit que Mohammed est une miséricorde pour l'univers. Ça veut dire quoi? Miséricorde pour l'univers, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a été envoyé à tout l'univers. Non, c'est faux. C'est faux. Il faut donner l'écriture qui dit Mohammed est envoyé à tout l'univers. Il faut pas. Tu sais, j'ai remarqué avec beaucoup de chagrin, les musulmans ne connaissent pas leur Coran. Lorsque je conseille, tu sais, moi, je n'ai jamais rencontré un seul musulman qui connaît le Coran. Ceux qui connaissent le Coran, ils ne connaissent pas les hadiths, ils ne connaissent pas les tafsirs. Et d'ailleurs, ils rejettent ça. Bon, comme toi, tu es coraniste, tu devrais maîtriser ton Coran. Comme tu ne connais pas le Coran, Maîtriser cette année. on t'a blagué. On t'a blagué par tes imams, tes oustazes. Il te dit, Mohamed est On m'a pas envoyé. blagué, moi j'ai lu. Donne-moi le verset. C'est écrit où? Non, je vais te trouver le verset. Aïe. Moi j'ai ça. C'est pas un problème pour moi. Moi j'ai ça. Bon, allez, lisez. Je commence par quoi? J'ai deux versets qui parlent de l'univers. Je commence par lequel? Allez-y. Ok, je commence par celui-ci. Donc, on vous blague trop souvent, vous les musulmans. Hein? Allez-y. Je commence par quel Lisez. verset? Hein? Ben, vous dites que vous avez le verset. Lisez. Oui, je cherche les meilleurs, là où on vous marmaille chaque jour. Attendez, je te donne ce verset-là. Comment est-ce qu'on est en train de vous marmailler chaque jour? Comment est-ce qu'on peut vous tromper ça? Heureusement que tu m'as parlé, mais petit à petit, on va voir. Je commence par un verset qui va te révéler quelque chose. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a donné ce verset ici, un musulman. Sourate 32, au verset 2. La révélation du livre, nul doute, là-dessus émane du Seigneur de l'univers. Ici, ça ne parle pas de Muhammad. Il y a le verset ici, Hein? ça ne parle pas Tu dis de lui. quoi? La révélation du livre, nul doute, émane du Seigneur de l'univers. Les quoi? Sourate 32, verset 12. Et 32, verset 2. Il y a. Hein, je commence. J'ai plusieurs versets, je vais te donner. Pour que je sois correct. Hein, je ne dois pas te cacher. Faut lire les prophètes. Il faut lire les prophètes. Quel prophète? Il faut lire Sourate 21, verset 1. Verset 101. Ok, on y va. Sourate 21. Eh, pardon, c'est ça, non, ouais. Verset 100, 100, Sourate 21, les prophètes. 101, on dit ceci. Verset Ça, 107. C'est ça, non? il dit ceci. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Alors, On parle de qui ici? c'est le prophète. Où est-ce qu'on a dit le prophète? On parle de qui là? Hein, comment? On parle de qui? On parle de qui là? Dis quoi? On parle de qui? Dis quoi? De qui parle-t-on là? Parle de quoi même? Ça parle de qui ce verset-là? C'est du prophète que ça parle? Où est-ce qu'on a dit que c'est où est-ce qu'on a mis ce nom? Ne parle pas comme ça. C'est ça qui vous fatigue. Tout le monde là,
C'est la bouche, c'est de la bouche du prophète que tout le Coran est sorti. Ici, dans mon Coran, on n'a pas écrit pour l'univers. On a dit ceci. J'ai une autre version de Coran. Et nous ne t'avons envoyé qu'à miséricorde pour le monde. C'est ce qu'on a écrit dans mon Coran. Ah, pour le monde, là-bas, c'est le monde. Oui. Là, c'est l'univers même. Mais c'est pas grave. Bon, non. Calme. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer comment est-ce qu'on vous a blagué. Ici, on dit que Mohamed a été envoyé. Oui, on t'a blagué. Je te montre comment est-ce qu'on vous a blagué. Où est-ce qu'on parle d'abord de Mohamed et puis le mot pour l'univers là, c'est quel mot? Univers, c'est quoi? Seigneur Dieu. Regardez, tout le Coran est sorti de la bouche du prophète Mohamed. Tout ce que tu dis là, c'est sorti de lui-même de la bouche. Oh, attendez. Il a dit qu'il est nommé Massi. Oh, laissez-moi, attendez. Moi, je ne comprends même pas. Vous n'êtes même pas musulman. Vous voulez discuter si je me dis pas. Vous êtes chrétien, là on doit discuter, toi et moi, pourquoi je suis chrétien, tu es chrétien, c'est là qu'on a discuté. Mais d'un côté musulman, tu n'es pas, c'est là que tu veux discuter. Je ne comprends pas. Moi, j'ai déjà la foi musulmane, j'ai la foi chrétienne. Pourquoi je ne sais pas, c'est quelle foi tu veux m'animer? Tu veux m'animer, c'est des musulmans, quoi. Alors que c'est ça qui a rapporté ma foi chrétienne. C'est le Coran qui m'a fait comprendre que Jésus-Christ était un véritable messager de Dieu et qu'il est né sans père. Et que les gens pensaient qu'il avait tué, pas tué. Revenons là où tu t'embrouilles. Qui t'a dit le mot qui est utilisé pour univers, c'est quel mot en arabe? On ne parle pas la langue arabe, hein, mon frère. Excuse-moi. Hein. Non. Moi, je vous ai déjà dit que je ne parle pas arabe. Attendez. Puis tu dis que Mohamed est envoyé à l'univers. Il est envoyé à l'univers. C'est écrit. Non. Dans mon Coran, on a dit qu'on l'a envoyé au monde. Ah. D'accord. Au monde, non? Oui. Le monde, c'est quoi? On l'a envoyé au monde. Le monde, c'est quoi? Le monde. Le monde, c'est quoi? Ah. Mais le monde, c'est la terre. Hein? La terre, ça dépend des endroits, tout ça. Mais ce n'est pas l'univers. Il y a une différence entre univers et le monde. Il y a une différence. Si tu parles de l'univers, c'est très grand. Dans ton Coran, c'est écrit le monde. Dans mon Coran, c'est écrit l'univers. Oui. Toi-même, tu as lu quelque part l'univers. Comme tu as pris le Coran, tu es allé chercher, tu as vu le monde. Maintenant, ton problème est où? Toi, ton problème, pratiquement, c'est où? Oh, ok. Et puis, montre-moi là, on dit que Mohamed est envoyé pour tout l'univers. Ah, mais tu as lu toi-même? Non. Ici, on dit, nous t'avons envoyé. Et puis, on parle de qui? Puisqu'on n'a pas mis son nom. On n'a pas mis le nom de Mohamed là-bas. Frère, mon frère, si vous faites une discussion comme ça, c'est très grave. Je dis, tout le Coran est sorti de la bouche de Mohamed. J'ai cité seulement que 4 fois son nom, nommément cité. Mais à part ça. Mon frère, on n'a pas mis le nom de Mohamed là-bas. C'est le nom de qui ils ont mis? Jésus? On n'a pas mis le nom de. Ils ont mis le nom de qui? On n'a pas mis le nom de Mohamed là-bas. Mais c'est à Mohamed qu'on parle. Non. Le Coran a été révélé à Mohamed. Non. L'histoire ici, ça parle de qui? Hein? L'histoire là, en haut. Et puis on dit qu'il a été envoyé comme miséricorde pour le monde. D'autres ont dit pour l'univers. Mais dans mon Coran, on a dit pour le monde. Et le mot arabe qui est donné là-bas, c'est l'ilamine, c'est ce qu'on a dit. L'ilamine, est-ce univers ou bien est-ce le monde? C'est ce qu'on va vérifier. Mm-hmm. Tu sais, moi j'aime examiner les écritures. Hein? Regardez, prends encore, parce que ça c'est trop compliqué pour toi. Tu crois que c'est pas marmé. Prends le discernement. Surat 25. Ok. Verset 11. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. C'est qui? Surat 25. Le discernement, là, c'est qui? Surat 25, verset 1. Surat
Le discernement, verset 1. Oui, oui. Al-Furqan. Qu'on exalte. Al-Furqan. C'est le nom du Coran. Ouais. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement et sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. C'est quel serviteur ici? Okay. Mohamed, Al-Furqan a été donné à qui? C'est quel serviteur ici? C'est le prophète Mohamed. Non, non. On n'a pas mis le nom de Mohamed. Ah non. Non, non, c'est bon. Ce que tu as compris. Attends. On dit qu'il a fait. Lorsqu'on dit qu'il soit un avertisseur, qu'il soit un avertisseur, toi qui es mathématicien, celui qui est avertisseur, c'est le discernement ou bien c'est le serviteur? Entre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit. Il soit là, c'est le livre ou bien c'est le serviteur? Ah, le livre de qui? De Mohammed, non? Non, non, on n'a pas. Livre que Dieu a donné à Mohammed, non? On n'a pas dit le livre de Mohammed, on n'a pas dit ça, il ne faut pas ajouter. Non, 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 attends, le Coran. Prenons le Coran. Non, non, on n'a pas dit le Coran qui est. On n'a pas dit le Coran. On a dit. Attendez, on n'a pas dit le Coran ici. On n'a pas dit le Coran. Il ne faut pas ajouter. On dit. Celui qui a fait descendre. Le verset dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre, qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur. Le livre de discernement. Le livre de discernement, c'est quoi ici? Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Ce n'est pas Al-Furqan, c'est le Dhikr. C'est quoi? Dhikr. Tu dis quoi? Dhikr. Dhikr. Dhikr, c'est quoi ça? Ah. Le mot arabe de discernement, c'est quoi? Mais c'est le nom du livre. Le nom du livre de Al-Furqan. Non, non, le mot arabe. C'est le chapitre même. Non, non, attendez. Oh, vraiment. Ah non, tu es un nouveau musulman. Écoutez, tu ne connais même pas Al-Furqan. Al-Furqan, c'est le nom du coup. Non. On va lire la sourate en arabe. En arabe. Attends, à l'arabe. C'est bien ça. Yeah. On va lire le livre en arabe. Hein? Maintenant, celui qui a reçu le livre là, c'est qui? C'est le prophète Mohamed, Al-Furqan, c'est lui qui t'a envoyé. Non, attendez. Le livre là, hein, le livre là, est envoyé, le Dhikr là, hein, ce que tu appelles Al-Furqan. Oh, c'est pas le Dhikr, c'est Al-Furqan. Ah, le livre c'est Al-Furqan. Oui, oui, c'est ça même le Dhikr. Le Dhikr, c'est ça même le livre, le Furqan. Maintenant, c'est envoyé sur quel serviteur? Le serviteur, là, son nom, c'est qui? C'est Mohamed. On n'a pas. Où est-ce que tu ajoutes au Coran? Comment? Tu ajoutes au Coran? Tu dis quoi? Tu ajoutes au Coran. Je n'ai pas compris. Est-ce que toi, tu ajoutes au Coran? Ajouter quoi au Coran? Tu ajoutes. Mais tout le Coran. Donne au prophète Mohamed, ce que tu lis là, son prophète aura donné. Non. C'est lui qui a laissé ça à l'univers. Non. Oh, vraiment. Attendez. Le Coran est sorti de la bouche. Attendez. Le Coran, c'est sorti de la bouche. Attendez. On n'a pas dit le serviteur Mahomet. C'est toi qui ajoutes. D'accord, on n'a pas dit. Je suis d'accord. On n'a pas dit le serviteur Mahomet. Oh. Mais le Coran. Attendez. Le Coran résonne avec quoi, non? Je veux raisonner avec toi. Le discernement qu'on a donné, hein, pour l'univers, hein, c'est dans le Coran, c'est dans le livre qu'on appelle le Coran. C'est dans le livre qu'on appelle le Coran, c'est pas ça? Quoi ça? Ce livre-là. Tu veux la révéler à qui? C'est à quel prophète tu as révélé ce livre-là, le Coran? C'est à quel prophète? Le Coran a été révélé à Muhammad. Merci. Donc, ce n'est pas révélé à notre prophète.
Donc, tu as Mohamed que Dieu donne le pain pour qu'il donne pour les êtres humains et à une vie tout entier. Tu comprends maintenant, non? Oh, 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 calme, 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 calme. Attendez, attendez. Je ne comprends pas. Et attendez. Oui, entrez. Attendez. Je te fais remarquer quelque chose ici. Quelque chose ici. Dans Sourate 8, Al-Anfal. Al-Anfal. On va lire on va lire. Là, nous sommes. Là, nous sommes. Oui, allez-y. Vous êtes bizarre, hein? Qui est bizarre? Toutes les explications que vous avez données. Toutes les explications que vous avez, vous savez très bien que le Coran, c'est le livre qui a été donné au prophète Mahomet. Donc, toutes les écritures qui sont d'État, toutes les histoires qui sont d'État, il y a un prophète qu'on a donné pour vous donner à l'humanité. Ah! Ah. Hey, calme-toi! Sourate 21. Ah. Sourate 21, verset 48. Nous avons déjà apporté à Moïse et à Aaron le livre du discernement. Entre parenthèses, la Torah. Oui. La Torah. Le livre du discernement. Le livre du discernement, c'est quoi? Allô? Le livre du discernement, c'est quoi? Qui dit ça? Ce que tu viens de dire là, qui dit ça? C'est le Coran qui dit non? Oui, c'est le Coran qui dit ça. Maintenant, calme-toi. Attends. Le Furqan. Ce que tu dis. Le Al-Furqan. Il y a un verset du Coran. Moi, je suis mathématicien. Tu lis un verset qui est dans un livre. Ce livre a été donné à un prophète. Est-ce que tu comprends? C'est le livre qui est donné au prophète qui révèle ça à l'humanité. Oui. Ah, ah. Maintenant, tu as dit Sourate 25. Sourate 25, verset 1. Sourate 25, verset 1. Tu as dit ceci. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur. Tu as dit, afin qu'il soit avertisseur à l'univers. Maintenant, toi, tu as dit le livre du discernement ici a été descendu sur son serviteur, c'est sur Muhammad. Mais Sourate 21, verset 48. On nous dit que le livre du discernement, c'est la Torah, qui est descendue sur Moïse. Maintenant, celui qui est avertisseur à l'univers, c'est Moïse ou bien c'est Muhammad? Puisqu'on dit le livre de Moïse, hein? Hein? Il y a le livre de Moïse. Allah, livre de Moïse. Ah, Allah dit ceci. Il a fait descendre. Tu as le livre de Moïse. Toi, tu as le livre de Moïse. Maintenant, tu as le livre de Moïse, toi. Tu vas quitter. Tu lis ça là. Tu vas lire ça là dans le livre de Moïse. Il ne faut pas quitter. Tu viens de lire la Sainte Sourate. Il ne faut pas quitter le thème. C'est dans le livre de Muhammad. Il ne faut pas quitter le thème. Vraiment. Toi, tu as dit que Muhammad est envoyé à l'univers. Tu me donnes un faux verset. Oui. Un faux verset qui dit que le livre de discernement sur son serviteur. C'est un serviteur ici. Toi, tu dis que c'est Muhammad. Mais sur Sourate 21, on nous dit que le livre de discernement, le Furqan, c'est la Torah. Ça, c'est Allah qui dit ça. Al-Furqan, c'est la Torah. Mais c'est écrit dans votre Coran. Dit que nous avons fait l'amour. Sourate 21, verset 48. Nous avons déjà apporté à Moïse et à Aaron le livre du discernement, la Furqan, Al-Furqan, la Torah, ouais. Ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens. Ouais. Donc, le Al-Furqan, c'est la Torah. Vraiment, cher ami, vous n'avez pas été mathématicien. Vous n'avez pas été physicien aussi. Vous n'avez pas été mathématicien. Vous êtes en train de lire ça dans le livre de qui? Dans le livre de Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Vous avez lu dans le livre de Mohammed. Vous avez lu plus loin dans le même livre que nous avons donné la pour la police. Nous avons donné le budget de la justice. Nous avons donné le tabou. Voici le nom de là. Maintenant, Dieu te dit. Al-Furqan, c'est Al-Furqan. Al-Furqan, c'est le Coran. Mais Al-Furqan, c'est un discernement. Parce que Jésus-Christ l'avait déjà dit. Écoutez,
Eh, mon frère, ton téléphone coupe. Allô. Écoute-moi. Ton téléphone coupe. Son téléphone coupé, je l'ai appelé. Oui, ton téléphone coupé. Le Christ avait déjà rappelé ce que Mahomet a dit. Il dit, en vérité, la loi ne sera d'aucun état jusqu'à ce que le monde fût. Est-ce que tu comprends? Donc cela lui-même n'est pas venu pour abolir la loi. Est-ce que tu comprends? Ça va? Non, 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 ça ne va pas. Pour abolir la loi. Il a mandé. Et Mahomet, quand Mahomet vient, il fait une synthèse de la loi. Tu vas loin. Donne-moi un autre verset qui montre que Mohamed est envoyé à l'humanité. Donne-moi. Puis celui-ci, ça parle du discernement. C'est pas trop. Donne-moi un autre verset. Mais tu ne sais même pas que le nom du Coran, c'est Al-Qur'an. Tu ne sais même pas ça. Peu importe. Tu n'as même pas lu ça dans le Coran. Peu importe. Allah dit que Al-Furqan, le livre du discernement, c'est la Torah. C'est Allah qui dit ça. Et d'abord, c'est quoi? Hein? D'abord, c'est quoi? Je ne vais même pas là-bas. Tarota, c'est quoi? Arrêtons d'abord avec ici. Tarota, c'est quoi? Non, Tarota, c'est quoi? C'est ça, le Al-Furqan. Tarota, c'est quoi? Je te pose la question. Tarota, c'est quoi? C'est le livre de Moïse. Le livre que le Coran appelle Tarota. C'est le livre de Moïse. C'est quoi? Le livre de Moïse, qu'on appelle Al-Furqan. C'est plus le discernement. C'est le livre de Moïse qu'on appelle Al-Furqan. Discernement. Ah, c'est la plus tarmata. Non, vous comprenez mal le Coran. Et ça, c'est... Ça, c'est moi, parce que c'est cela, ça, c'est votre Dieu, Allah. Non, Allah dit que... Allah dit que votre livre, ça s'appelle... Le livre de Moïse s'appelle Al-Furqan, la Torah, le livre de discernement. C'est Allah qui a dit ça. Sourate 21, verset 48. Sourate quoi? 21, 48. Sourate 21. Al-Anbiya. Sourate 21, verset 48. Sourate Al-Anbiya. Sourate 21, 48. Oui. Mais dans la sourate, dans la sourate du discernement. Mais... Viens, viens, mon fils. Donc, on t'a blagué pour entrer dans l'islam. Moi, je n'ai jamais vu. C'est pas grave. Vous savez. Moi, je n'ai jamais vu un musulman qui veut tout son Coran. Non, non, mais je me rends compte que. Allô. Oui. Vous n'avez pas compris le but du Coran. Vous ne savez pas ce que c'est que le Coran. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que le livre que vous avez tiré, la phrase dedans, c'est le livre qui a été donné à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, si tu regardes ce livre-là, il a rappelé au moins 25 personnes, le nombre de 25 personnes, de 25 saints qui sont cités dans les Corans. Mais nous savons très bien qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont venus qui n'ont pas cité les noms. Mais il a pris exemple sur 25 personnes qui sont dans les 5 Corans, où il cite les noms. Tu vois, pour dire qu'il est le dernier. Messager, nous avons parfait la prophétie. Eh, mon frère, tu pars trop loin. Tu pars trop loin. Laisse-moi. Tu as le verset que tu m'as donné, sourate 21, verset 107. Oh, je fais la récapitulation. On va conclure, hein, puisqu'on a fait trop de minutes. Comme ça, moi, je prends la conclusion. Je vais te laisser 5 minutes pour conclure. Moi, laissez-moi faire une petite conclusion rapide de 4 minutes. Toi, tu vas prendre 5 minutes. Dans Sourate 21, verset 107, tu as dit, nous t'avons envoyé ta miséricorde pour l'univers. Le mot qui est utilisé pour l'univers, c'est le mot Al-Amin, qui ne veut pas dire l'univers. Ça veut dire tout simplement que Muhammad a été envoyé au monde. Nous t'avons envoyé au monde. Il y a une différence entre monde et univers. Merci. Comme dans Sourate 12, verset 104, le monde univers, Al-Amin, apparaît.
Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est qu'un rappel adressé à l'univers. Donc Joseph, lui aussi, est envoyé à la mine, l'île la mine. Mais on ne va pas dire que Joseph a été envoyé à toute l'humanité, ou bien à l'univers. Joseph. Dis-le quoi, je n'ai pas compris. Sourate 12, verset 104. On dit que le rappel que Joseph avait, c'était un rappel à l'univers, à la mine. Mais qui fait le rappel de Joseph? Maintenant, le rappel de Joseph? Maintenant, Joseph n'était pas qui envoyé. Fait ce rappel? Attendez, qui fait ce... Vous avez un gros problème, hein? Vous avez un gros problème. C'est-à-dire, j'ai dit, vous et moi, vous n'étiez pas là. Je pense à vous planter un décor que vous n'arrivez pas à comprendre. J'ai dit, vous et moi, on n'était même pas là quand on écrivait cette vie. Laissez-moi conclure. Allez, c'est conclusion. Yeah. Donc, Joseph est envoyé avec un rappel adressé à l'univers. Maintenant, cet univers, on ne dira pas que c'est le monde entier. C'est la même chose que Muhammad dit lui aussi. Et ici, les musulmans disent que c'est adressé à Muhammad, pour l'univers, mais c'est un faux verset. Le mot correct, c'est le mot monde. Muhammad est envoyé au monde, pas à l'univers. C'est un mensonge cruel que les musulmans nous racontaient. Et puis, il est venu avec le livre du discernement, adressé à le livre du discernement, c'est Moïse, ce n'était pas Muhammad. Sourate 21, 48, confirme cela. La sourate 12, et puis je continue rapidement pour terminer. Ici, le livre de Jonas, nous avons vu que Jonas lui-même dit que sa vie a été ôtée, donc il était mort. Et puis Dieu l'a ramené à la vie. Comment est-ce que les morts parlent? Les morts parlent, puisque même Jésus-Christ lui-même avait dit ça dans le livre de Luc. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 16, nous voyons que cet homme-là était mort. Il était mort. Attendez, je vais lire cette écriture. La Bible nous dit ceci. Lazare est le pauvre mort. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcère. Et Lazare était mort. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il est mort. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Il était déjà mort, mais il priait. Donc, quelqu'un qui peut être mort, tu es mort, dans le séjour de mort, tu peux prier. C'est ainsi que Jonas, lui aussi, priait dans le séjour de mort. Et même dans l'Apocalypse, si nous partons là, il y a beaucoup de versets. Jonas a commencé à prier, et puis il dit que Dieu m'a fait remonter vivant. Puisque sa vie était ôtée et il était dans le séjour de mort. Maintenant, dans le séjour de mort, on peut prier, étant mort. Il y a même un verset rapide qui parle. Attendez, je ne sais pas si je peux trouver ça. Ah, ça, c'est dans Apocalypse chapitre 6, au verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. À cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger ?» Donc, ça, ce sont les morts. Les morts, quoi que mort, tu peux prier. Puisque pour Dieu, Dieu peut écouter même un mort lorsqu'il parle. Yeah. Et puis, les musulmans ont marmaillé les gens concernant le Saint-Esprit, tout ça. Jésus avait dit que le Saint-Esprit qui devait venir, c'était l'Esprit Saint, le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Et puis Jésus a dit dans verset 12, c'est très capital, il dit l'Esprit de vérité, que l'Esprit, le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne les voit pas, il ne les connaît point. Il ne les connaît point, mais vous les connaissez, vous connaissez l'Esprit, il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit n'était pas encore dans les disciples, mais Jésus dit il sera en vous, il était avec eux. Mais il dit que l'Esprit viendra vers vous et il sera en vous. Donc, il parle du Saint-Esprit qui sera dans les disciples. Les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit dans Jean au chapitre 7. Jean au chapitre 7, il dit ceci. Il dit au verset 39, Jean chapitre 7, verset 39, il dit ceci, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive,
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les gens n'avaient pas encore reçu l'Esprit. Les disciples, ils n'avaient pas encore l'Esprit. L'Esprit n'avait pas encore été donné. Puisque les disciples, c'est pour cela que Jésus dit qu'attendez l'Esprit. L'Esprit devait venir entrer dans les disciples, à l'intérieur. Donc l'Esprit devait être dans les disciples. Et c'est de ce verset-là que Jésus était en train de parler. Ah. Donc, mon frère, j'ai terminé. Ça, c'était ma conclusion. Prenez aussi vos minutes pour conclure. Tu sais, chez moi, j'ai fait la vidéo. Je vais t'envoyer le lien. Chez moi, tu termines en beauté. Je ne te coupe pas. Tu as 5 minutes à toi de conclure. Et je suis bien. Ce n'est pas moi qui conclue, oui. C'est toi qui conclue. On y va. Voilà. Okay, merci, frère. Merci. On a pris beaucoup de temps parce qu'on ne s'est pas écouté. J'ai dit déjà, pour commencer, nous n'étions pas là. Nous sommes arrivés. Nous avons trouvé des livres devant nous. Il ne fallait pas trop s'emballer. Il fallait user de la raison. Et l'intelligence que nous a donné, Dieu nous a donné pour pouvoir comprendre et bâtir notre foi. D'accord? Donc, la foi est solide lorsqu'elle est bâtie à partir d'un raisonnement ou bien d'un miracle. Tu vois, non? Et non, nous ici, c'est comme ça que nous devons raisonner. Et quand nous avons raisonné dans la Bible, on a compris que les disciples, les apôtres de Jésus-Christ, Jésus-Christ souffla le Saint-Esprit sur ses disciples. Il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ça, c'était de son vivant. Il était là, il n'était pas parti. Il a dit « Recevez le Saint-Esprit » et Jésus-Christ souffla le Saint-Esprit sur eux. Ça, c'est biblique. Quelque chose que le Christ a soufflé sur eux, comment il va leur dire « Attendez, ne recevez pas ça d'abord, ce que je viens de souffler sur vous, c'est quand je partirai que ça va venir sur vous. » Ça n'a pas de sens, puisque la Bible nous dit que le Saint-Esprit a été soufflé sur les apôtres de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Recevez, il a soufflé le Saint-Esprit. » C'est vrai, vous le lisez dans la Bible. Et nous le raisonnons. La Bible donne un signe à tous les chrétiens du monde et les chrétiens du monde ne suivent pas le signe. Vous trouverez le signe dans 1 Jean, chapitre 4. Ô bien-aimé, ne porte pas foi à tout esprit. Éprouvez d'abord l'esprit pour savoir s'il vient de Dieu. À ceci, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La Bible nous dit, ô bien-aimé, ne porte pas foi à tout esprit. Éprouvez d'abord l'esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La Bible est en train de faire une similitude entre l'esprit et puis le prophète. Et il dit à ceci, vous reconnaîtrez un esprit de Dieu. Si le prophète vient vous dire que Jésus-Christ est descendu en chair, c'est que c'est un prophète de Dieu. C'est un esprit de vérité qui est dans la vérité. Et vous lisez ça dans le Coran. Oh, Mohamed, rappelle-toi lorsque les anges disent au Marie, Allah t'annonce sa parole, son père, il s'appellera Jésus, le Messie. Il illustre ici-bas et dans les cieux. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera dans le berceau jusqu'à l'âge mûr. Et c'est Dieu qui l'enseignera. Donc il fait partie des plus rapprochés de Dieu. Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui. Et quand Mohamed finit de nous dire ça, à l'homme intelligent, on se pose la question, mais qui est Jésus-Christ? On va chercher la Bible, mais on prend la peine de voir la Bible à la lettre rouge. Parce que la Bible à la lettre rouge, c'est les mots qui sont sortis directement de la bouche de Jésus-Christ. Parce que la moitié du Nouveau Testament est écrite par un homme qu'on appelle Paul. Mais les paroles qui sont sorties directement de la bouche de Jésus-Christ, c'est pour cela, hier, je t'ai dit dans mon débat, c'est quel verset Jésus-Christ a donné qui interdisait le port? Ou c'est quel verset, le Saint-Esprit, si vous pensez que le Saint-Esprit est le consolateur, c'est si dans quelle synagogue le Saint-Esprit s'est mis à parler aux gens de quelque chose que le Christ n'a jamais enseigné. C'est où le Saint-Esprit a parlé. Vous allez me dire le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu, les gens parlent en langue. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit que les gens n'ont pas dit? Alors que le Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Et je donne un exemple aux gens. Je dis, lorsque le Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, était sur la terre, les gens parlent de divorcer. Il a dit, écoutez, Moïse vous a dit que si vous voulez divorcer, il faut faire un papier, un testament. Mais moi, je vous dis, divorce maintenant. Vous êtes interdit
sauf en cas d'adultère. J'ai dit, mais si on devait s'arrêter là, on ne pourrait donc pas divorcer d'un homme ou d'une femme qui se saoule. Ou d'un homme qui bat sa femme. La femme ne peut donc pas demander le divorce. Puisqu'il n'y a pas eu de fornication. Il n'y a pas eu d'adultère. Mais non, Dieu nous dit qu'il est en train de parfaire la loi. Quand le dernier messager que la paix de Dieu sera sur lui vient, il ne rejette pas. Certes, le testament sera donné, l'adultère est là, mais il y a un surcroît qui suit à l'acte maintenant. Les conditions de divorce sont données dans le Coran. Ce qui le Christ connaissait déjà. Parce que le Christ dit, je connais tout, mais je ne peux pas vous donner ça parce que vous ne pouvez pas le porter. Quand le consolateur viendra, il me glorifiera. Regardez, je pose la question à n'importe quel chrétien du monde. Comment est-ce que Jésus-Christ est né miraculeusement? Non, il a dit, l'ange est venu dire à Marie et l'ange a dit à Joseph. Je dis, ça suffit, on est sous la loi. Il fallait que les bébés parlent de lui-même pour justifier sa mère. Et c'est Mahomet seul à qui Dieu a donné cette révélation pour enseigner le monde entier que Jésus-Christ, sa mère n'a pas forniqué. Sa mère n'a donc pas commis l'adultère. Et c'est Mahomet qui vient consoler le Christ pour dire ça. Il a donné le signe de Jonas aux anges. Les gens lui ont demandé, si tu es vraiment le prophète, donne-nous un signe. Il dit, c'est seulement des générations perverses et méchantes qui aiment les miracles. Aucun miracle ne vous sera donné si ce n'est que les miracles de Jonas. Et même que Jonas est resté 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme restera 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est cela qu'on met en sortie pour dire à l'humanité. Oh, bon, mon frère. Oh, vous les Juifs. Mon frère, tes minutes sont terminées. On va faire. On va faire un autre jour. Non, je vais conclure. Dans 1 minute ou 2 minutes. Non. Mon frère, le temps est terminé. D'accord, ok. Bon, que la paix de Dieu soit sur toi et merci de m'avoir écouté. J'espère que tu vas connaître qui est le véritable Jésus-Christ et qui est le véritable Mahomet. Pour que la lumière se soit faite dans ton cœur, pour que tu aies une foi, pas solide, mais une foi liquide, une foi pleine d'amour et de charité. Que Dieu te bénisse. Voilà. Ok, merci beaucoup. Shalom. À la prochaine. Envoyez-moi la...